Un acte fort a été posé à l'Institut des aveugles de Yopougon lors de sa cérémonie de lancement. L'ONG AEGE a procédé à la rénovation d'une partie de l'Institut des aveugles de Yopougon. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable, notamment celui visant à réduire les inégalités. Nous avons aidé à réhabiliter l'infirmerie et la pharmacie. Nous avons également équipé le réfectoire avec 10 tables et bancs qui prennent 80 pensionnaires parce que l'institut existe, mais il n'y avait pas d'endroit adéquat où les enfants pouvaient se retrouver, se restaurer. Cette rénovation ne se limite pas à l'amélioration des infrastructures. Elle témoigne également d'une attention particulière portée aux besoins des personnes vulnérables. Je remercie l'ONG AEG pour la réhabilitation de leur bâtiment et pour... Je suis très heureux. Au nom du ministre Adama Camara, qui est le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, je suis dit infiniment merci à l'ONG qui nous vient en aide en complément de ce que l'État avait déjà eu. Pour rappel, l'ONG AEGE est une jeune association qui s'est donnée pour mission de promouvoir des sociétés justes, solidaires et équitables, tout en mettant l'accent sur l'inclusion et le bien-être des populations marginalisées.